Bonjour et bienvenue à vous pour ce match de championnat. Franck Sauzé est avec moi pour vous faire vivre cette rencontre. Et l'arbitre de ce match, ce sera monsieur Fabrice Madoulet. Ouais, le stade est plein, ça fait plaisir et c'est parti à l'instant. Thiago Xavier. On est vers la zone de vérité. Nivé. Et la défense qui est sur le... Oh, qu'elle est bien partie. Oh, il le rate, quel dommage. Oh ouais, il peut s'en vouloir parce que la passe était lumineuse. Chantôme. Léon Chantôme. Avec Beckham. Matuidi. Oui, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Et il stoppe l'attaque. Ouais, ils ont des bonnes possibilités là en attaque. On va devoir protéger son ballon. Remise en jeu, on est dans le camp adverse. Il est à l'interception. Il intercepte. Bon, il y a des solutions, il y a danger. Andrade. Oh, c'est parti! Oh, le gardien qui repousse, attention! On a vu des joueurs du PSG avec le sourire aux lèvres aborder ce match avec un peu de décontraction. Ben oui, parce que leur supériorité ne fait aucun doute dans ce match. Attention quand même à ne pas tomber dans la facilité. Le joueur parisien qui va lever la tête, l'attaque est intéressante. Ouais, très bonne accélération vers les buts. Oh, le beau tir! Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Il fallait dégager ce ballon, c'est fait. Ah, ça revient dans les pieds de l'adversaire. Ah oui, la passe bien, là on approche des buts. Ah, ça ne passe pas. Le ballon rendu à l'adversaire. Beckham. 1-2. Ah non, ça ne passe pas. Attention au contre. Et ce contre qui n'ira pas plus loin. Léon Chantôme. Gamero. Les Parisiens qui vont tenter de se faire un pressant sur cette montée. Oh, belle passe. Oh, bien centré. Un en ballon contré. L'arbitre qui siffle le pénalty.
c'est au fond. Rien à dire, c'est bien tiré. Il marque sur cette action et il confirme qu'il ne faut pas le laisser sans surveillance, ne serait-ce qu'une minute. Oh, très belle action, on sent son expérience et sa classe. C'est le PSG qui mène. Ce sera une touche pour le PSG. Matuidi. Andrade. Ils sont en train de confisquer le ballon là. Gamero. On s'approche du but. Ah oui, la belle passe. Il a bien joué la défense. Oh, le beau tir. Ah non, on l'a pas du tout. Matuidi. Nivet. Les deux joueurs à la lutte. Thiago Xavier. Ça n'ira pas plus loin. Matuidi. Andrade. Avec Beckham. Oui, jolie conservation du ballon. Beckham. Les 30 derniers mètres. Ouais, bien dosé ce ballon. Avec Beckham. Aucun souci pour la défense. Il est sur la trajectoire. Nivet. Marquinhos. Bonne interception, ça pouvait être dangereux. Matuidi. La Metsi. Ah lui, quand il part balle au pied, je peux vous dire que c'est dur de l'arrêter. Ouais, ça c'est un ballon intéressant. Le joueur parisien qui va lever la tête. L'attaque est intéressante. De la position de balle. Ouais, ce sera pour le défenseur. Oh, ça panique un peu, mais ça dégage. Nivet. Quentin Auton. Clément Chantôme. Marquinhos. C'est un très bon ballon, ça. Ah, la passe de trop, là, peut-être. Oh oui, la bonne passe vers les buts. Oh, également servi, attention. Oui, bonne circulation du ballon. Ah, ils en ont fait un petit peu trop, là, ils ont perdu le ballon. Ah, elle a bien fait de parier au plus pressé. Et on retiendra donc dans cette première période, eh bien qu'on a vu un but, 1-0 à la mi-temps. Franck, les faits marquants de cette première période. Oh, le pénalty sans doute, Hervé. Et ce genre de décision fait souvent l'objet de discussions devant les tribunes. En tout cas, il regagne les vestiaires avec cet avantage à la marque.
le début de la seconde période avec des joueurs parisiens qui font la course en tête pour l'instant. La vessie. Matuidi. Andrade. Les Parisiens qui vont tenter de se faire un pressant sur cette montée. Oh oui, le bon centre. Allez, sortie de but. Matuidi. Gamero. Marquinhos. Bonne anticipation sur cette passe. Attention ce centre. Remplacement imminent pour l'équipe visiteuse. Nivet. Quentin Auton. On met de la tête et ça sera une touche. Alors qu'un Parisien va faire son entrée sur le. On va voir si c'est du poste pour poste. Il s'approche. Alors, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Beckham. La Vetsi. Avec Beckham. Ah, la belle passe, ça chauffe. Matuidi. Ouais, il est le premier sur cette passe. Julien Fossurier. Quentin Auton. Nivet. Ouais, bonne circulation du ballon. Et les Parisiens récupèrent. Beckham. Andrade. Avec Beckham. Le joueur parisien qui va lever la tête. L'attaque est intéressante. Ouais, elle est bien partie cette frappe. Oh, il marque. On se demandait s'il éprouverait des états d'âme face à ses anciens coéquipiers. Et bien, la réponse, quand même. Eh bien, Hervé, il s'est montré sans pitié. En même temps, il ne fallait pas non plus s'attendre à ce qu'il fasse de cadeau. Les supporters adverses doivent se sentir encore plus trahis. 2 à 0, ils ont à présent une avance confortable. Julien Fossurier. Ouais, il avait senti venir le coup. Beckham. Matuidi. Oui, en passe. Oui, bien joué de la part des Parisiens. Et un petit peu le feu là. Ouais, le PSG qui obtient un corner. Les deux entraîneurs s'apprêtent à effectuer des changements. La défense qui récupère le ballon sur ce corner vraiment mal négocié. Nivet. Thank you.
Ah, ce sera une touche pour le PSG. Allez, changement dans quelques instants. Gamero. Et comme en rugby, on va laisser jouer. C'est arbitré dans l'esprit du jeu, c'est bien. Et le prochain arrêt de jeu, les visiteurs vont faire entrer un petit peu de sang neuf. Quentin Auton. Et il se rapproche dangereusement des buts. Matuidi. Oh, ce joueur, il ne renonce jamais. Et vous pouvez compter sur lui hein, pour être sur tous les ballons jusqu'à la fin. Oh, bien vu. Oh oui, à gauche, il y a du monde. Il peut aller au bout. Bien centré. Oh, c'est finalement repoussé par la défense. Mota. Ah, il peut poursuivre son action. Attention à la retombée. La défense vigilante qui repousse. Ouais, ils perdent le ballon à la suite de ce centre qui n'a trouvé personne. Ça peut être dangereux. Et la voilà, la frappe. Et le PSG qui obtient donc un corner. Ouais, je pense que l'arbitre a hésité là pendant assez longtemps. Un joueur frais qui fait son entrée sur la pelouse avec une mission très simple, aider ses partenaires à tenir ce résultat. Ah, c'est sans danger pour la défense, hein, le corner. Ah, c'était impossible à contrôler quasiment. Allez, ils vont jouer la touche. Bonne interception. Nivet. Ah oui, bien vu la... Attention. Ah, ça passe à côté. La Vetsi. Ah oui, la passe bien, là on approche des buts. Ah oui, bien joué. Oh, le bon ballon. Ah, ça ne passe pas. Et vous venez de l'entendre, c'est la fin de la partie. Dernier coup de sifflet de l'arbitre. Franck, c'est donc une victoire acquise, il faut le souligner, sans encaisser de but, hein, c'est important. Mais vous avez raison, c'est l'un des enseignements de ce match, une bonne rigueur défensive qui permet d'user l'adversaire, de lui donner le sentiment que rien ne passera, et derrière on construit tranquillement, c'est bien.